Oh, c'est un spawn que j'aime pas ici, hein. Je vous conseille pas de faire ce spawn. Après, y'a personne. Donc ça va, tu vois, mais c'est vraiment un spawn que j'apprécie pas. Donc ça aide, bien sûr que ça aide. Mais j'essaye de vous donner les clés pour gagner. Après, forcément, on pourrait pas forcément faire la même chose. Mais ça peut vous donner une idée comment adapter votre gameplay, quoi. Peut-être des erreurs que vous faisiez, tu vois, par le passé. Et ça peut peut-être vous aider à faire bah, beaucoup moins ces erreurs. Je vais prendre ça en attendant. Je vais pas jouer Volt, hein. Je vais pas jouer Volt, c'est pas... C'est pas le plus petit. C'est moi qui viens de faire la game avec toi, GG. GG à toi, mon bro, c'est cool que t'aies suivi et tout. Bien joué à toi, mec. Merci, Badmaster, pour les 2 mois. Merci, BG. J'ai quoi comme stuff là sur moi? Ça, je prends pas. En vrai de vrai, je vais prendre un wingman. Je vais pas prendre ça, je vais juste la ping. Prendre des nades. Pour ça, ou sinon, ça a bien passé ta journée, what? Ouais, non, ça c'est bon, j'ai déjà. Bah, c'est cool si vous progressez, c'est bien ça. Il existe dans le pont au spawn. Ouais, c'est là, normalement, il est toujours pas été fixe. Si? Ouais, il est toujours pas été fixe. Ah, pas, hein. Ouais, on peut pas vous tirer dessus, hein, by the way, hein, les gars. Parce que regardez, y'a rien. Mais ok, ça a pas été fixe, bon, on sera fixe dans un patch. Futur, j'imagine. Pas fixe. Les clés pour un éventuel clutch, être bon mec à ce moment là, hein. Vraiment y'a pas de mystère, hein. Je peux pas te dire, y'a pas de méthode secrète, hein. Clutch mec, c'est faut être meilleur que les deux autres, faut jouer intelligemment, essayer de séparer les deux, faut pas qu'ils soient ensemble collés l'un à l'autre, c'est le clutch c'est compliqué, hein. Et le but c'est de séparer l'ennemi quand t'es en 2v1, le but c'est qu'ils soient pas l'un collé à l'autre, qu'ils fassent des erreurs. C'est toujours en fait tu joues sur le fait que tes ennemis vont faire des erreurs, tu vois ce que je veux dire. C'est clairement le but quand t'es en 2v1. T'essayes de créer une situation où les mecs... T'as déjà été prédateur? Oui, plein de fois. Le truc c'est que... Si les deux mecs sont pas mauvais... Ils sont pas cons... Ils vont juste... Comme je vous apprends à le faire... C'est de poser le jeu, vous êtes 2v1. C'est de poser le jeu... Et de le push à 2, hein. Vous vous en foutez, vous pushez à 2 les gars. Tu prends ton JB, tu lui mets une bubble, vous pushez à 2, c'est fini, tu vois, on n'en parle plus. Hein. C'est vraiment... Genre vous prenez pas la tête, vous prenez à pusher à 2. C'est Shrine, tu vas bien? T'as passé ta journée aussi? Mais c'est de pousser les gens aux erreurs, tu vois, à se précipiter, ouais, exactement. Les mecs, tu sais, par exemple, Mimayo, t'es sur le bâtiment. Les deux, tu vois, ils sont... Il y en a un là et un là. Tu vois, au lieu de s'attendre, y en a un qui est un peu plus loin, au lieu de s'attendre, tu vois, au lieu de rester comme ça et d'attendre, les mecs, lui, il va push en open field comme ça, là, il va aller tout droit sur toi. En que l'autre, il est encore un peu loin, l'autre, il va essayer de te tirer dessus, et toi, tu vas tuer le mec en open field. Voilà, après, tu te trouveras en rien, tu vois ce que je veux dire. Genre de situation de merde. Bon, voilà pourquoi j'aime pas trop cet endroit, mes mecs sont en train de loot, mon mec, c'est super loin, on va aller le... Enfin, en vrai, on pourrait aller launchpad. Launchpad, il y a sûrement du monde. On pourra se fight tranquillement. Do you have your ult, Valk? Attention. Yes. T'es français, non? Non. Ok, ok. Ah, t'es anglais? Ok, I speak English, very good. Let's go, vas-y, ult, Valkult, on se casse, on va là-bas là. On va tuer des gens. Alors, je vais laisser monter en premier. Ah, c'est stylé de passer à travers ça, je savais même pas. J'espère qu'ils sont là, normalement ils sont là, mais bon. Attends, est-ce qu'il y a du craft? Ah, y'a un craft, je pense qu'ils vont être vers le craft. Ah, y'a un car package, attends, fais attention parce que là j'ai pas des infos. Y'a personne.
Qu'est-ce que Gold, merci mon bro. Par contre, en vrai, je suis persuadé qu'il y a encore des mecs ici. Ils sont sûrement en train de craft vu le timer. Ouais, ils sont encore là. Ok. Ah, venez, on push. Les vidéos sur YouTube, toutes les wins elles seront sur YouTube. C'est vrai que ça commence demain. Je vais lui mettre un petit headshot. Dommage. Quoi, il a jump pad? Je vais attendre une opportunité. Attends, mais je crois qu'il y a un mec en haut. Sur quel niveau? Il y a personne, non? J'entends un. Elle a fait. Ah, mais attends, mais ils sont partis en fait. Ah, mais ouais, il reste juste la race. Il reste juste la race. On va prendre la zip. Au okay. Moins, on a 36 000. On a 36 000 sels, hein. 10 squad, 10 squad, ouais. Ouais, y'a pas beaucoup de team. Je vais prendre pas mal de seuls en vrai. De toute façon, je pense qu'ils vont compter. C'est chiant, ça c'est très dur à push. De quoi? Ils sont partis où? Ils sont là-bas, mec. C'était les mêmes? Ouais, ouais, c'est les mêmes, ouais. En vrai, je suis race, on peut, je peux peut-être tenter un truc. C'est risqué, très risqué ce que je fais. Je vous conseille pas à faire ça. Vraiment, c'est pas un conseil. Mais ouais. Push tranquillement. Possibilité qu'il m'entende pas. La touche D qui me fait défaut. Mais craquin. La wesh, je sais pas où elle est. La wesh, je sais pas où elle est. C'est ult. Ouais, juste back. Hein. De toute façon, ils vont pas push dans ça. Non, mais. Oh. Je sais toujours pas où elle est la race, hein. Juste qu'elle est pas à droite. En vrai, je vais ult et je vais les push. J'ai clairement les push. Je mets un ulti au cas où. Et la race est là. Je vais quand même push. Je vais mettre un Q-spell. Je vais push en dessous. Au pire, c'est la merde, je back. Le problème, c'est qu'il y a son ulti de merde. Je vais pas aller trop loin. Par contre, y'en a un qui est solo là. Hein. Ça, c'est un peu la merde ça. Je vais me battre tranquillement. Je vais sûrement me faire push. Je vais le finir lui. Prends ton PK. Parce que c'est meilleur. Prendre une petite batte. Je vais revenir. Je sais pas s'ils ont tué quelqu'un. Je. Ok, je sais pas pourquoi il fait ça. Bah ok. Bon bah ok, je vais regarder derrière moi. Tout de suite. Tout de suite maintenant. Pourquoi j'ai aucune assist? Normalement j'ai down le... Il s'est fait raise. Ah c'est l'Octane qui a down le DB. Je sais pas ce qu'il raconte mais... Il s'est fait raise en tout cas. Par contre c'est un bon move du Octane hein. Non je joue Wingman jusqu'au bout c'est quoi. En vrai, je vous conseille quand même la flat, mais je joue Wingman jusqu'au bout. Ah, je sais pas, vous voulez Wingman ou. Petite game flat sinon. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite game flat. Non, joue Wingman. Joue Wingman un peu. Vous voulez flat ou Wingman, chat? Flat ou Wingman? Wingman x2, on peut garder le Wingman x2. Hein. De toute façon, je vais garder le Wingman x2. Il y a un peu de flat. Ah ouais, flat. Flat. Wingy, flat. Ah, y'a pas mal de flat quand même, hein. Ça dépend, Flopo. Hein. Le Wingman, en vrai, tu peux le voir, ça te fout bien. Y'a que des flats quasiment. Rings close and closing in 45.
move in time. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va faire une game Wingman. Allez, j'ai le Wingman, on va faire une. Je fais une game flat après, si vous voulez. Je fais une game flat après. De toute façon, il me reste. Ouais, je fais une game flat après. Et on va aller en zone, ok. Viens, Ron, mon bro. Ça en va par à Ron, on est d'accord ton pseudo? Ouais, ouais, d'accord, tu ça. De quoi? Ouais, je comprends, bro. Là, on va ici parce que la fin de zone, il y a forte chance. C'est... En vrai, de vrai, la fin de zone. Si je dis pas de conneries là. Putain, mais merde, en plus, je crois que j'avais un bon skin de PK. Tiens, je me retrouve avec cette double. Je crois que la suite. Vu le cercle. En vrai, c'est soit. Ouais, non, je sais pas où elle est. Ça peut être là, là ou là. On prend un colis, on va l'attendre. On va clairement attendre le colis, les gars. Il y a moins que ce soit un fight de loin. J'ai pas besoin d'autant de balles. Je prends des selles. Les flatistes. À quand une live, ton full point comme à l'époque? C'est vrai, ça fait longtemps qu'on a pas fait de game full point. C'était marrant ça. On gagnait, on détruisait quand même des games en gold au full point. Full point, on faisait des massacres en gold. Plate, c'était un peu plus compliqué. On gagnait de temps en temps des games, c'est un peu plus compliqué quand même. En plate. Ouh, j'ai eu un gros ram. Non, mais continue à me jouer là. Ouh, ça c'est une tête, c'était tendu hein, le mec il a. Là je le knockais, bon après je pouvais pas le tuer. Il a mis la bubble et tout. Je vais regarder derrière moi quand même. Je peux rien voir. Ouh, le gibier prenait une tête, il était mort. Hein. J'avais pas le tête lui. Dégage, dégage, dégage. Dégage toi, Gibo là. Je vais regarder derrière nous quand même. Y'a personne qui le fait. On va gatekeep. Ok, la fin de zone, bah c'est celle-là. Normalement. Si ça va là, je comprends rien. Mais la fin de zone, elle est là. Hein. Elle est ici. Donc en vrai, on pourrait. La fin de zone, c'est là-bas. Mais en vrai, on peut attendre ton ulti-valk. On peut rester là. Hein. Et je crois que le JB qui va. Hein. Ils vont y aller. C'est pas grave, on est pas obligé de toute façon d'y aller. Nous on a juste à regarder derrière nous là. Ça arrive pas. Ici c'est bien hein, on a une bonne position. De toute façon on peut tout jouer là si on a besoin. Par contre lui il est. Ouais, on va rester là. Tous les cas, si on a besoin de prendre un bâtiment, on a Valk. On a un TP Race. On a Fuse qui peut mettre la pression. Nous on veut juste gatekeep derrière nous. Et ouais. Là. Ouais, si on va mettre deux balles. On prend 38 de dégâts dans un caustique. Je vais regarder derrière nous la zone qui va pas tarder d'arriver. Non, on a pas besoin d'y aller pour l'instant. Bon, ils veulent y aller. C'est déjà fini. Le fight il est fini, les gars. Le fight est fini. Ah, le fight est fini, ça sert à rien. On n'a pas besoin de se précipiter. Après, en vrai, j'ai 3 kills, j'avoue. Bon, allez, mes allies ont. Ouais, bon, lui, il est relou en plus. Vas-y, je vais. Mes allies ont faim. Arrête. Arrête. Ah, c'est. Faut que je les TP là, ils sont dans la sauce, mes mates. Ah, c'est un peu la sauce là, hein, je vais vous mentir. Reste-le. Ah, oh, je suis bloqué. Viens, on retourne là-bas. Le TP, je l'ai mis instant. J'ai vu qu'il prenait cher. Ils avaient une position de merde derrière le. Derrière l'arbre là. TP instant. Vous réfléchissez même pas à vous TP. TP, voilà, on se remet. Tout de suite, vous mettez vos TP à couvert un peu. En gros, là-bas, j'aime bien leur stuff là, ça me plairait bien ça. Là.
Là je passe en rouge, c'est bien. Et c'est pas mal ça. En vrai, viens, on va à gauche. On va là-bas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Va sur le toit. Va sur le toit, vas-y, vas-y. Va sur le toit, sur le toit, sur le toit. Va sur le toit. Il va où là? Bon, c'est pas grave, ici c'est pas dégueu non plus. Mais j'aurais préféré aller sur le toit quand même. Là faut que je regarde s'il y a personne derrière nous par contre. Ouais, mais vous voyez, c'est qu'il y a ça là-bas. Y'a un mec contact à moi aussi. Je prends pas trop de dé, je prends pas de risque hein. Le caustique j'aurais pu le push. Mais je vous conseille pas de le faire. Je vous l'ai dit, le but c'est pas de faire un max de dégâts, le but c'est d'assurer la win. Un max de kill. Putain mais c'est quoi ce JB par contre? Par contre là, ce qu'on peut faire c'est jouer et tuer ça. Ils sont que deux, ok, ils sont que deux en face, heal toi et on va aller les jouer. Parce qu'en fait si on a le si on a le top après c'est la win. On va aller, là-bas ils sont que deux, il y a moyen qu'ils valent culte même. Bon bah ouais. Bon bah ils l'ont déjà fait, on a une des meilleures poses hein. Ils se cassent. Ouais ils sont partis d'eux-mêmes. Ouais y'a plus personne derrière nous, alors y'a une team, y'a eux au mid et y'a eux là hein, ceux dans le bâtiment. Par contre comment ça j'ai mis 12. On va juste leur mettre des dégâts parce que nous on a un peu de heal. Y'a les mecs là-bas. Dis-moi bâtard. Tu peux péter leur porte. Fuse, tu peux péter leur porte après. Ce qui est marrant c'est que ça passe à travers le mur. Les balles sur les guibos. Là on essaie juste de leur faire perdre du stuff hein. Par contre ce qu'on peut faire on peut tester un petit capture en vrai. On peut tester un petit truc. Venons on avance un peu. On va tester un truc, je vais essayer d'en capturer un, ok. Regardez mon TP. Regardez mon TP les gars. Allo. Allo, venez sur moi les gars. Et regardez mon TP. Ok, je l'ai eu, les gars, tuez-le. C'est un peu cher ça. Un guibo au moins, il en reste un au fond. Attention, il y a une autre team derrière. On peut jouer le toit par contre. Venez, on peut jouer le toit. Ouais, sans les dents. Attends, mais il est en train de reste. Mais mec, ils vont gagner le fight. Bon, je peux pas bouger. Les derniers, ils sont là. Ils sont en bas, les derniers. Ils sont les trois en bas. Ouais, c'est dans une sauce par contre. La net elle va péter là, enfin la bulle va disparaître. Non, c'est du gros troll hein, ce qu'il vient de faire là. Là, c'est vraiment du troll ce qu'il vient de faire. Ah, c'est du troll. Toi tu vas pas à gauche, faut que je l'empêche. Oh non putain ils sont passés à droite. C'est terrible, terrible cette one zone. Terrible. Viens viens viens, faut qu'on aille sur le toit. Viens sur le toit, viens là. Reloading.
Ouais, pas mal ça. Malheureusement, on a plus. Je crois qu'il y a un mec en dessous de nous. Ah, il y a un mec. Mais il y a un knock. Sauf de shield. J'ai rechargé mon BK. Je vais rentrer dedans. Il en reste plus qu'un, je reçois le shield. On va prendre un mieux. Ouh, ça fait mal ça. Je vais mettre une batte. Attends une seconde, je mets une. On a gagné. C'est de la merde. Ouais. Comment il y a eu un knock? GG mec, bien joué les gars. Par contre, comment il y a eu un knock? Le pouvoir de la France. Vive la France mec. Ici c'est Paris par contre. You are the Apex Champions. Par contre, il sort d'où le knock, les gars? Il sort d'où le knock? Mais il a... par contre, mon mate, c'est qui? C'est ma Val qui a tellement int. Ma Val qui a tellement. À la fin, vous savez, je m'en fichais de prendre des KP maximum. Dans tous les cas, je voulais pas me précipiter et mourir.